Bonsoir tout fanatique, Bladi Info Sport yo, et bienvenue dans la vidéo ça, côté que nous parlons bien pour nous partager ensemble avec vous tout ça qui a dominé l'actualité. Club anglais yo, qui souvent est connu comme club, qui toujours dépensé un pile cob dans Mercato yo. Après Mercato estival 2022 terminé, club anglais yo fait un nouveau record. Comme rapporté Metro, club Premier League yo presque dépensé 2 milliards de livres, soit 2,3 milliards d'euros. Un record qui fait couler beaucoup d'encre. Comme titre journal Daily Express, tabloïd l'a ressorti plutôt en chiffre de 1,9 milliard de livres. Et une des principales actes mercato estival en Angleterre, c'est l'équipe Chelsea, comme annoncé journal de Daily Telegraph. Quotidien anglais rapporte que Chelsea lui-même a dépensé 250 millions de livres et ça. Nous sommes capables ensemble top 10 clubs qui dépensaient plus l'argent pendant mercato estival. Première équipe là, c'est l'équipe Chelsea qui dépensait 278,99 millions d'euros. Gain Manchester United qui dépensait 238 millions d'euros. West Ham qui dépensait 182 millions d'euros. Tottenham dépensait 169 millions d'euros. Nottingham Forest dépensait 161,95 millions d'euros. Barcelone a dépensé 153 millions d'euros. Paris Saint-Germain a dépensé 147,5 millions d'euros. Équipe Manchester City a dépensé 139,5 millions d'euros. Bayern Munich a dépensé 137,5 millions d'euros. Et enfin, nous avons l'équipe Wolverhampton qui a dépensé 136,6 millions d'euros. Nous allons capables ensemble top 10 plus gros achats qui fait sur Mercato Estival. Premier achat, c'est Anthony qui allait dans l'équipe Manchester United pour 95 millions d'euros. Wesley Fofana qui allait dans l'équipe Chelsea pour 81 millions d'euros. Tchouaméni qui rejoint l'équipe Real Madrid pour 80 millions d'euros. Darwin Núñez Liverpool pour 75 millions d'euros. Casemiro Manchester United pour 71 millions d'euros. Alexander Isak Newcastle pour 70 millions d'euros. Matthew De Ligt et Bayern Munich pour 67 millions d'euros. Marc Cucurella et Chelsea pour 65 millions d'euros. Et enfin, Erling Haaland en équipe Manchester City pour 60 millions d'euros. Nous voyons le Kounia Club qui fait plus gros bénéfice pendant Mercato Estival. C'est Ajax qui fait 111 millions d'euros, Sporting fait 78 millions d'euros, Brighton fait 77 millions d'euros, Monaco fait 74 millions d'euros, Lille fait 73 millions d'euros, Benfica fait 65 millions d'euros, Leicester fait 64 millions d'euros et Séville même il fait 63,5 millions d'euros. Voilà donc c'est l'ISA Club qui fait plus gros bénéfice pendant Mercato Estival. Mercato équipe Juventus là fait une journal et tout au sport jeudi vendredi parce que équipe Juventus là était vraiment actif dans la dernière ligne droite Mercato Estival avec arrivée de Paredes et départ de Arthur Melo en de équipe Liverpool ainsi que Zakaria lui-même qui allait en de équipe et Chelsea. Allegri maintenant c'est à jour. Résumé journal et Transalpin. D'après journal là, équipe là complètement renforcée. Et technicien italien finalement joigne ça qu'il te vleyo. Li doit montrer ça qu'il vaut avec une équipe qui fait selon Joel Timandeo. Dans un entretien accordé avec le journal Sky Sport, Hassan Salih Amidit, qui est directeur sportif équipe Bayern Munich, lui reconnaît qu'il a gagné contact pour une possible arrivée de Cristiano Ronaldo dans l'équipe Bayern Munich. Il dit oui, nous t'ai parlé, déclaré dirigeant munichois. Il reconnaît qu'il t'a discuté avec Roy Mendes à propos de Cristiano Ronaldo, mais il précise cependant qu'il n'a pas de chance de parler avec Ronaldo directement.